C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci de votre fidélité. C'est la 7e prestation de Jamais sans musique, qui est dans sa 3e année. Je ne vais pas vous faire un grand discours. Le mieux, c'est de chanter. Donc, voilà, Régis Simon, mon super musicien. Chanter la vie, c'est tout ce qu'il nous faut.
vous connaissez tous, qui s'appelle la javanaise. Donc bien sûr, le refrain, il est très facile, mais il y a une petite introduction. Et dans cette introduction, il y a un passage que j'appelle la moulinette et un passage que j'appelle le plumeau. En fait, parce que voilà, il y a un côté moulinette et puis il y a un côté tac-tac, tac-tac. Esthétique, c'est la chanson française dans tous ses états. C'est-à-dire que vraiment, on va passer par toutes les esthétiques dans la variété française. On a la chance d'avoir trois chorales au Bas-Landré, le Vert de Lait, qui est plus dans la musique sacrée, la chorale à tout cœur, qui est plus aussi sur la variété internationale et les chants du monde, comme
et nous, la chanson française. Voilà. Ce qui nous distingue, et c'est formidable parce que plus on est nombreux, et plus on est nombreux, et c'est merveilleux. Et donc, merci à vous d'avoir de plus en plus envie de venir chanter. Merci à vous. Thank you.
voilà, une chanson qui est d'actualité parce qu'elle parle de la grande roue de Paris qui s'installe. D'ailleurs, il y a eu un reportage hier qui s'installe à présent dans le parc des Tuileries à Paris. Avant, elle était sur la place de la Concorde. Et on a écrit cette chanson-là qui terminait la comédie musicale qu'on a écrite et créée à Paris, à Avignon. Ça s'appelait Deux amoureux à Paris. Et donc, avec la chorale qui va m'accompagner, nous l'allons vous l'interpréter. Donc, c'est les deux amoureux, ils se promènent sur les Champs-Élysées et ils sont fiers, ils sont contents. Puis, d'un seul coup. D'un seul coup, ils la voient, là. La voient, là. Qui tourne. Place de la Concorde, il faisait froid mais pour autant il y avait du monde. Ça se pressait et ça piaffait derrière les cordes, et ses lumières blanches rendaient la nuit plus profonde. Je l'ai rencontrée toute éberluée, qu'elle était belle, la voilà qui tourne tout doucement vers les étoiles. Avec elle, oui c'est sûr, je vais monter au ciel et admirer d'un seul coup d'œil la capitale. Entre le ciel et les pavés, Paris, elle te fait les yeux doux. Tourne, tourne la grande roue. Tout doucement, c'est vers l'extase qu'elle te mènera sans faire de phrase. Accroche-toi bien au bastingage. Entre ses bras, envole-toi. Tout doucement, je suis montée si haut, si haut. Semblait ne plus finir. Paris, lumière, Paris, je suis comme un oiseau, et le ciel et la terre s'embrassent dans un sourire. Tout doucement tu m'as redéposé sur terre. Le voyage est fini mais reste dans mon cœur un air de fête et la beauté du ciel d'hiver. Oh merci monsieur Marcel, ce n'était rien que du bonheur. Entre le ciel et les pavés, Paris, elle te fait les yeux doux. Tourne, tourne la grande roue. Tout doucement, c'est vers l'extase qu'elle te mènera sans faire de phrase. Accroche-toi bien au garde-fou. Entre ses bras, envole-toi. Ce spectacle a été interrompu grâce à notre ami le Covid.
On était au théâtre, au studio Héberto, et on est sorti de scène et on nous a dit « on ferme ». Et les deux amoureux étaient quand même comme deux couillons. Et puis on est revenu, le deuxième confinement, etc., etc. Et puis finalement, on a décidé qu'on restait au Val-André. Et dans le fond, on a bien fait parce qu'on est très bien. Et j'ai une chorale magnifique et une vie splendide grâce à ma chère Bretagne et mon cher Val-André. Bien! À présent, encore dans la variété française, une chanson marine, on pourrait dire. Thank you.
évidemment, Laurent Voulzy, Souchon, voilà, des poètes. La chanson, elle a plus de 30 ans. Et je trouve qu'elle n'a pas pris une ride, hein. Qu'en pensez-vous, hein? Comme moi. Thank you.
C'était un petit hommage à Jacques Brel. Vous l'aurez compris, je suis fan de Jacques Brel. J'espère que vous aussi. Donc, vous pouvez les applaudir encore parce que, en réalité... ça va très très vite. Et pour être ensemble, il faut vraiment qu'on soit ensemble. Et je peux vous dire qu'il y a 3 semaines, c'était pas gagné. Mais voilà, bravo à vous. Et c'est un grand plaisir. Donc, je vous le disais, toujours un programme très éclectique, basé sur la chanson française. Et on fera tout le temps comme ça des hommages, des petits medleys. Là, c'était Brel. On fera d'autres. On passera de Paul Naref à Reggiani ou à Becco. Voilà, on aura toujours des petits medleys avec tous nos chanteurs afin de continuer à rendre hommage à la chanson française et aussi avec des petits nouveaux. Et là, c'est pas un petit nouveau, mais c'est la chanson d'une comédie musicale qui s'appelle Un monstre à Paris. Il y a longtemps qu'elle est au programme, mais elle va nous détendre un peu. Et puis, comme c'est quand même le Noël des enfants et que c'est issu d'un dessin animé, c'est formidable. Maestro, la Seine. Sous le pont coule la Seine. Ah oui, au-delà. Jacques Goldman, qui s'appelle « Elle a fait un bébé toute seule ». C'est malin. Mais moi, ça me fait rigoler. C'est pas vous, mais... Voilà. Avec tout le respect, on peut rire un peu quand même, parce qu'aujourd'hui, on peut plus rire de rien. Un petit peu quand même, hein. Oui ? Vous me rassurez, là, je sentais comme un flou, là. Oui, hein, on peut rire, hein. On peut dire des bêtises, hein.
Non ? Oh. Allez, mes amis, attention. Les notes. Comédie musicale, bien souvent à la période de Noël, on a Angélique, Sissi, tout ça. Puis nous, ben, on a fait les Demoiselles de Rochefort. Ça fait toujours plaisir à entendre.
Monsieur Titi. À présent, nous allons accueillir Amélia, qui va chanter pour vous une bien belle chanson qui s'appelle « L'homme et l'enfant », qu'avait créée Eddie Constantine il y a bien longtemps et qui a été reprise par Jacques Dutronc. Voilà.
On a un micro ? Voilà. Et je vous dis pas comment... Ça va ? Respire un grand coup, ma chérie. Hein. Ouh, fais un grand sourire et tout. Voilà, on l'applaudit. Voilà. On peut y aller ? Elle avait un gros, gros trac. Elle a une voix magnifique. Elle chante très juste. Merci, Amélia. Merci. En fait, le truc idiot, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous passez une bonne soirée ? Ça va ? La chanson qui va venir, il y a une partie en zoulou. Et cette partie raconte que... Oui, en zoulou. Je sais plus chanter en zoulou. Je dis qu'on est dans la variété française, mais là, je suis quand même un peu gonflée. Et ça dit que les enfants, où qu'ils soient, se rencontrent et, quelle que soit leur appartenance ethnique, jouent ensemble sans aucun problème. Voilà. Merci. Les trois voix pour les aigus, médium.
C'est Noël, Noël, joyeux Noël, oui, c'est enfin Noël. Oui, c'est enfin Noël. De nous accompagner, à la ville d'Erquy de nous accompagner, à la MJC de Lamballe et Lamballe de nous accompagner. Et rendez-vous à la prochaine. Et voilà, et merci, et encore merci. Et à bientôt, et je vous souhaite, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes, de bonne année. Bonne fête.